Dur baptême du feu pour le promu Agen qui se déplaçait sur la pelouse de Montpellier pour cette première journée. Un MHR qui fait sa première sous les ordres de Verne Cotter avec également le All Black Aaron Cruden titulaire. Et il ne faut qu'une dizaine de minutes à Cruden pour trouver ses marques avec ce magnifique jeu au pied depuis ses 40 mètres. L'ouvreur trouve Madolo dans la diagonale, une offrande pour l'ailier fidjien qui peut tranquillement filer derrière la ligne et lancer sa saison avec ce premier essai. Montpellier est lancé et on revoit la magnifique inspiration de Cruden sur cette action et la conclusion tout en tranquillité de Nadolo. Montpellier qui mène 10-0 après 10 minutes de jeu suite à la transformation. Le MHR domine les débats dans cette rencontre et une nouvelle fois, l'étincelle va venir de son ouvreur néo-zélandais. Cruden joue vite une pénalité et perfore la défense à Genèse avant d'offrir le deuxième essai sur un plateau à Tomané. Montpellier déroule et mène 17-0 en moins de 30 minutes. Agen ne baisse pas les bras pour autant avec une longue séquence à 5 mètres de la ligne montpelliéraine. Les avants multiplient les temps de jeu et c'est finalement Facundo Bosch qui vient aplatir au pied du poteau et réduire ainsi l'écart au score. Juste avant la pause, Montpellier appuie une dernière fois sur l'accélérateur avec notamment Nadolo dans le rôle du perforateur. Pinard entré en jeu à la place de Payog, sert Duplessis qui joue sur un pas vers Benjamin Fall qui conclut. À la pause, le MHR mène 24-7 avec 3 essais inscrits. Au retour des vestiaires, Montpellier va continuer sur sa lancée avec cette fois-ci un mouvement orchestré par les avants et c'est Martin Devergy qui en est à la conclusion. Montpellier mène 29-7. Et après les avants, ce sont les trois quarts qui se mettent en évidence avec Benjamin Fall qui part de son camp et transperce la défense à Genèse. L'arrière révolté résiste au retour des joueurs du SUA pour servir dans le bon tempo Alexandre Dumoulin qui creuse un peu plus l'écart. Montpellier mène 36-7 après transformation. Comme lors du premier acte, le SUA ne se laisse pas assommer et sur ce mouvement en première main derrière une mêlée, le ballon traverse le terrain dans la largeur pour finalement aboutir dans les mains de Julien Hériteau qui prend la défense de Montpellier à revers. Mais dans cette rencontre, Montpellier fait étalage de ses forces et il manquait à cela une chose, le ballon porté s'est fait à l'heure de jeu avec cette touche à 5 mètres de la ligne à Genèse. La conquête est propre, le mol inarrêtable et c'est Rufnak qui se détache pour inscrire ce nouvel essai. À 10 minutes de la fin, Verdu réceptionne un ballon dans ses 22, mais la Genèse se retrouve isolée et le ballon va être mal négocié par ses coéquipiers. Les Montpelliérains en profitent et c'est Liebenberg qui punit les promus. Déjà 7 essais pour le MHR qui lève un peu le pied en fin de rencontre. Agen a toujours joué dans cette rencontre et se voit récompensé après avoir passé de longues minutes dans le camp Hérolté. Les promus vont profiter d'une pénalité rapidement jouée par Chelidze pour inscrire le dernier essai de la rencontre et réduire un peu l'écart final au tableau d'affichage. Montpellier s'impose 48-19 pour sa première à domicile et empoche le bonus offensif. Agen, valeureux, a pu cependant mesurer l'écart qui sépare un promu d'un prétendant au titre final.